Debussy, Gollywood Cakewalk. Heinrich Weiss, un grand collectionneur, possède plus de 300 pièces. Sa collection, il l'a commencée à l'âge de 13 ans, en réparant lui-même une pendule à musique de la Forêt Noire, cadeau d'un ami. Depuis, il répare toutes ses pièces lui-même et a même mis au point une machine à reproduire les rouleaux de papier perforés de toutes les marques du monde, pouvant donner jusqu'à 6 copies simultanément. L'orchestrel est un harmonium automatique américain de la maison Éolian. Il possède la particularité de laisser à l'exécutant toute latitude dans le choix de ses très nombreux registres. Orgue mixte à clavier et à restitution pneumatique par rouleau perforé, fabriqué de 1908 à 1915 par la maison Welt & Fils à Fribourg en Brisgau sur les plans du grand organiste Max Reger, il est le plus grand orgue d'Europe. 1942 tuyaux, un jeu de cloche, un jeu de harpe, les plus grands organistes de l'époque ont joué, composé et signé leurs interprétations pour cet orgue prestigieux. Vous entendez Marcel Dupré qui joue Prélude et Fugue numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. La flûte de Pan, permettant la lecture des rouleaux perforés, possède 150 trous.
Les orchestrions ont, dans leur temps, remplacé des orchestres entiers. Certains, d'après les dépliants publicitaires de l'époque, pouvaient se substituer à 100 musiciens. Parmi les plus modestes, mais les plus extraordinaires, le phonoliste violina de Hupfeld à Leipzig, qui arrive même à remplacer le violoniste. Voilà les trois violons. Ça, c'est l'archet rotatif. Elle tourne comme ça. Ça, ce sont les doigts dans l'ordre chromatique. Et maintenant, l'instrument se met en marche. Le violon qui doit jouer s'avance au archet, comme ça. Et les doigts font ça. Et peuvent jouer une mélodie comme ça. Les longues notes sont accompagnées par un vibrato tout en haut sur le violon et voilà le total. Le grand orchestrion de Philips, modèle Paganini, montre les possibilités de remplacement d'un orchestre complet.
Ces bateaux ont emmené en Amérique des centaines de pièces mécaniques ramassées un peu partout en Europe. Elles ont enrichi les collections des Américains, grands fabricants eux aussi de pièces mécaniques, souvent très originales et venant des maisons Wurlitzer, Calliope and Company, Éolian, Mills et bien d'autres. Mills qui brevette en 1908 son violano virtuoso, le rival du phonoliste violina Dubfeld. Lecture par électro-aimant, le papier perforé passe entre un rouleau argenté et les leviers de commande métalliques. Les cordes sont mises en vibration par quatre roulettes en matière moulée, opérant par friction comme avec un archet. Le vibrato est un trembleur à électro-aimant. Au travers des Américains, le foxtrot pénètre dans l'intimité des Français. Ce limonaire bien de chez nous joue Broadway Melody et Henri Triquet l'a préféré à un buffet Henri II. Quand il était routier, Henri Triquet avait l'habitude de faire halte dans une brasserie dancing, le Pavillon Bleu, où l'on pouvait écouter l'automate accordéoniste. Il a réalisé son rêve, et celui-ci a été le départ de sa collection. L'enfant chéri de Gustave Matteau, un orchestrion, modèle réduit de ceux qu'on peut voir dans les brasseries dancing belges, et qu'il s'est fait construire par un artisan ami, Albert Flau.
Nous sommes déjà bien loin des folles extravagances d'une époque qui croyait passionnément à la mécanique, sans imaginer l'électronique, qui inventait des tringleries de plus en plus délirantes pour tenter d'arracher des vibratos artificiels à des violons sans violoniste. Aujourd'hui, aidés précisément par l'électronique, quelques dancing sont encore équipés de machines plus simples, mais qui témoignent tout autant de l'ingéniosité des bricoleurs, de la patience des artisans et des constructeurs mélomanes. Ici, tard dans la nuit, on vient oublier ses soucis et sa solitude et retrouver peut-être un peu de son enfance en dansant sur des musiques sans prétention. L'accordéon joue tout seul, la batterie aussi, et tout le monde semble trouver normal ce qui constitue pourtant le miracle permanent des musiques mécaniques.